c'est très important de comprendre pour moi les raisons du succès. Pour quelques entreprises qui ont du succès, beaucoup n'ont pas de succès. Alors, qu'est-ce qu'il faut corriger? Où est-ce qu'on peut être meilleur? Quelles sont les bonnes expériences que ces jeunes entrepreneurs à succès ont fait? Où est-ce qu'on a un potentiel d'amélioration? Et je crois que la discussion que nous avons eue aujourd'hui était très instructive. C'est pas facile. Nous sommes en Suisse, nous ne sommes pas aux États-Unis. On a vu qu'il y a beaucoup de difficultés à certains moments de la carrière d'une jeune entreprise. Ah, certainement, on peut toujours faire mieux. Dans la discussion, les points positifs sont ressortis. Par exemple, on nous a dit que le travail d'InnoSuisse était très très bon. Mais on voit qu'à partir de 50 millions, quand on veut lever des fonds pour le futur, pour l'adolescence et puis la maturité d'une entreprise, là, on a certains problèmes. Donc, c'est peut-être des aspects de conditions cadres. C'est peut-être des aspects au niveau des investisseurs qu'il faut améliorer. Par quels moyens? Ça va être notre travail de trouver où on peut être meilleur. Sinon, ces jeunes entreprises, le capital viendra de l'étranger et elles vont être forcées d'aller s'installer à l'étranger et on perd des compétences. Je crois que cette fondation, elle a été créée déjà avec mon prédécesseur, M. Schneider-Hamann, parce que précisément, on a identifié qu'il y avait certaines lacunes de financement à certains moments au niveau des startups. Maintenant, la grande question, est-ce qu'elle va suffire? Est-ce qu'elle répond vraiment à ce besoin? Est-ce qu'il faut encore plus capitaliser? Est-ce qu'il faut amener d'autres instruments? Ou est-ce qu'il faut mieux utiliser certains instruments que nous connaissons déjà, par exemple InnoSuisse, donner encore davantage de compétences? Ça, c'est ce que nous allons analyser. Et le rôle du chef du département de l'économie, c'est de soutenir naturellement et de parrainer de telles initiatives.